Alors, le matin, on avait une espèce de... En chinois, on appelle mouyu. On avait une espèce de... Un truc en bois et avec une espèce de bâton. Donc, on se levait le matin très tôt. On allait dans le temple, là, à l'intérieur, et on tapait, en fait, gong, 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 pour une heure. Et après cela, on prenait... on allait à l'entraînement. Je ne trouvais pas que c'était difficile. Non, parce que c'était des exercices, disons que c'est les mêmes exercices que je voyais dans les films. Et c'est des mêmes exercices que j'essayais de faire dans mon pays. Quand on regarde les films de Kung Fu, on regardait beaucoup plus les combats. Mais au-delà de ce film, il y a des messages forts qui passent. Quand on veut apprendre quelque chose de très sérieux ou veut progresser, c'est pas en quittant de votre pays, en venant ici, en donnant des millions ou en payant. Non, non. C'est-à-dire, il faut d'abord vous, la personne en elle-même. Est-ce que c'est une personne qui est capable d'assumer les critères du Wushu? C'est surtout ça. La technique que je présente justement dans cette compétition, là, de 1985, justement, c'était une combinaison, disons, je peux dire, inventée par moi-même, voilà, à travers des films que je voyais, les films de Jackie Chan et d'autres films que je voyais. Je fais un mix, quoi. Thank you.